Voilà, on est en face du massif du Mont Blanc et on a ouvert quelques lignes là-bas. Et on voit la petite là, la brèche de Trélaporte. Et puis bon, bah, malheureusement, on voit pas dans les nuages, mais dans du géant, ça c'était pas une ouverture. Il y a le Grépon derrière et la Tour Rouge. On a fait voilà pour toutes les longueurs, pour tous les goûts, tous les accès aussi. Et l'idée, c'est on espère qu'il y ait des gens qui les répètent un jour et puis qui viennent nous dire qu'ils les ont fait, ça nous ferait plaisir. Moi, pour ça, là, en fait, j'ai un site et j'essaie de répertorier toutes mes highlights, en fait, toutes celles qu'on ouvre. Crois à ça. Des amis qui veulent bien me faire un topo, je crois. Ah, j'en ai fait une fois, mais pas un super souvenir. La Highline, t'as fait? Ouais. Au parc thermal là. Au parc thermal. Yes. J'ai fait 1m50. Voilà, c'est pas les épaules qui vont avancer, c'est le bas du corps quoi. C'est le. Et pas se retrouver sur les talons, c'est bien. Putain. Allez, hein. Allez, fais chier, bah. Allez, tonique, allez. Tonique. Allez, allez. J'ai découvert ça en 2002, c'était lors d'un voyage aux États-Unis. Et puis j'ai tout de suite apprécié pour travailler mon équilibre et j'avais toujours le rêve de le faire en hauteur. En fait, c'est ça qui m'a tout de suite plu, c'était la polyvalence de l'activité, c'est-à-dire qu'on peut s'entraîner dans son jardin, à faire des figures ou après essayer de traverser des très grandes distances. Puis c'est devenu vite une passion. Puis à force de rencontrer des gens qui étaient aussi motivés pour aller en hauteur, et ben on en arrive là à faire de l'alpinisme et à mélanger le concept. Donc ça a donné quelque chose de, j'espère, très beau. J'étais ingénieur en informatique avant et puis j'ai découvert l'escalade, je bossais à Aix-en-Provence, j'ai découvert l'escalade au moment où j'ai commencé à travailler et vite fait les loisirs sont devenus 100% escalade et j'avais surtout je me suis aperçu que finalement le travail c'était plus ce qui m'importait quoi. Du coup j'ai mis des sous de côté, j'ai arrêté de travailler. Et le principe, c'était de faire que de l'escalade, puis de toucher à la montagne et tout. T'es levé quelle heure? La question qui tue. À quelle heure on veut être en haut? Ouais, ça va.
8h, c'est trop tôt ? C'est ouais, trop tard ? C'est trop... Hein ? Trop tard ? Non. Trop tôt ? C'est trop tôt. 8h, c'est la bonne heure, alors ? Ouais. 9h. Non, 8h. Allez. Yeah, man. Yes! Oh. Hey.